L'Electronic Lynx possède une fonction de diagnostic avancée incluant les statistiques du fauteuil. Cette section procure des informations sur l'utilisation du fauteuil qui peuvent être lues en direct depuis le fauteuil ou sur un fichier de programmation sauvegardé. Les statistiques du fauteuil se trouvent sous la section « Historique des défauts » et s'affichent sur le côté droit. Dans cette section, vous retrouverez toutes les informations sur la batterie, le temps de charge total et le nombre de cycles de charge. Cette section indique également le temps cumulé passé sur chaque niveau de charge de la batterie. Ces informations peuvent être utilisées pour vérifier comment le fauteuil a été chargé. Il est également possible d'identifier la date de la dernière charge. Tous les événements critiques liés aux batteries sont également enregistrés, y compris les états de décharge profonde. Ces informations peuvent être réinitialisées afin de pouvoir suivre l'évolution de l'utilisation du fauteuil ou tout simplement lorsque les batteries sont changées. La section sur les statistiques de conduite inclut des données sur les courants maximum des moteurs, ce qui donne des informations sur le niveau de sollicitation des moteurs et le temps cumulé passé à ces niveaux maximum. Le temps sous tension, le temps de conduite et la durée moyenne de conduite donnent une indication sur l'utilisation du fauteuil par l'utilisateur. Le temps passé avec un niveau de courant proche du niveau maximum donne une indication sur l'adéquation du fauteuil au regard de l'utilisation qui en est faite. Ces statistiques peuvent également être initialisées afin de suivre l'évolution de l'usage du fauteuil.